toujours au rendez-vous, ton admirateur. Arrête, ça me fait pas rire. Ça se trouve, il tient un grand couteau caché dans son dos. Genre tueur dans Scream ou Halloween. Arrête, il me fiche la trouille, ce type, c'est bon, pas la peine d'en rajouter. Si ça peut te rassurer, je te prête Raph. Je te raccompagne chez toi. Ça l'impressionnera, ton amoureux. Attends, même c'est mort. Dans les Scream, à chaque fois, c'est le mec de la meuf qui se fait tuer. Tu pars avec Chloé. Ou alors ce soir, t'es bon pour dormir dans la baignoire. J'ai vraiment essayé de faire comme si j'étais pas là, mais je vais vraiment pas y arriver. Ça se trouve, c'est moi qui regarde pas toi. On va voir. Bon, d'accord, c'est toi qui regarde. C'est pas ce soir qu'on parlera de toi à la télé. C'est bon, pas la peine de rappeler Raph ? Non mais arrête avec ça. Mademoiselle ? Non mais c'est un cauchemar. Mademoiselle, c'est moi qui vous observe quand vous jouez au basket. Je ne suis pas seulement une ombre dans la rue, je m'appelle Julien Bonnel et j'ai 25 ans. J'espère que je ne vous ai pas trop inquiété, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de venir vous regarder. Vous allez me trouver trop audacieux, mais tant pis, il faut que je vous le dise. Quand vous êtes en mouvement, vous êtes la personne la plus belle qu'il m'ait été donné de voir. J'aime beaucoup écrire, mais je n'ai jamais autant hésité à le faire. Et c'est seulement aujourd'hui que je prends mon courage à deux mains. En revanche, comme vous le constaterez quand je vous donnerai cette lettre, je pourrais difficilement prendre mes jambes à mon cou. Je fais allusion à mon handicap, parce qu'il serait difficile d'éviter complètement la question. Mais je n'attends surtout pas de compassion de votre part. Considérez-moi seulement comme quelqu'un qui aimerait se rapprocher de vous et qui a trop hésité à faire le premier pas. Rue Magellan, c'est pas loin ? Non, ça a deux rues d'ici. Bonjour. J'aimerais rencontrer un de vos résidents, s'il vous plaît. Comment s'appelle-t-il et pourquoi voulez-vous le voir ? Il s'appelle Julien Bonnel. C'est personnel. Faut vraiment que je le voie. Service. Ouais. Ouais.